TP sur la mesure de l'angle facial. Donc alors, on prend un crâne qu'on va positionner dans un bocal la face gauche vers nous. Ensuite, on place une feuille transparente devant et avec un laser, on va positionner les points correspondants, donc à différents endroits, ici, en haut, derrière et sur les dents et à l'œil. Ensuite, on prend la feuille et on va tracer les droites OP et MN et à l'aide d'un rapporteur, on va calculer l'angle, donc l'angle correspondant à l'angle facial. Et ensuite, pour trouver la largeur de la tête, on va tracer les droites MQ et BP. On peut aussi faire la manipulation à l'ordinateur, donc avec Mesurim. Alors, on peut placer les points d'abord. Ensuite, on nomme les points. Ensuite, on peut calculer la longueur et la hauteur du crâne. Alors d'abord, on doit faire l'échelle. On vérifie que ce soit bien longueur, 1 cm. Ensuite, on va dans le choix, outil de mesure. Et ensuite, la mesure s'affiche en bas. Et maintenant, on va calculer l'angle facial. On trace. Et ensuite, l'angle s'affiche en bas. Et avec toutes ces données, on peut les classer dans un tableau récapitulatif.